Salut à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, nous continuons la série des astuces pour votre PC. Donc nous avons commencé par comment augmenter les performances de son PC. Cette vidéo d'ailleurs a très bien marché, hein. Merci pour vous hein, quand même. D'ailleurs, ouais, 30 fps de plus, c'est pas négligeable, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en description. Et puis aujourd'hui, sinon, nous allons continuer donc une deuxième partie qui sera intitulée comment augmenter ou optimiser son débit internet. Donc ça dépendra de tout le monde. Si c'est augmenter, c'est plutôt pour les gens qui ont de la DSL, ça va beaucoup jouer. Si optimiser, c'est plutôt pour les gens qui ont une très bonne co et justement qui ressentiront pas trop le truc, mais que la co sera plus stable. Donc tout simplement, nous allons commencer par en plusieurs parties. Donc la première partie sera comment augmenter son débit internet sans rien acheter, hein, juste en configurant et en téléchargeant un logiciel. Et ensuite, la deuxième partie sera comment optimiser ou augmenter son débit internet en achetant des petits objets. Donc je vais vous mettre tous les liens en description quand ce sera le moment et je vais vous en parler en détail juste après. Donc nous allons commencer par notre première partie. Donc déjà, on va se poser la question, qu'est-ce qui pourrait fermer votre Wi-Fi? Donc déjà, pour moi, ça peut venir tout simplement des drivers de la carte Wi-Fi ou de la clé Wi-Fi que vous avez installée sur votre PC, ou Windows 10, ou tout simplement les serveurs DNS. Donc dans les paramètres Windows 10, il y a plein de choses à configurer, enfin plein. Bon, il y en a un peu partout, mais on va voir ça dans cette vidéo. Donc déjà, nous allons commencer par les drivers, tout simplement. Donc alors, il est possible que sur votre site de la carte Wi-Fi, sur le fournisseur de la carte Wi-Fi, il y a tout simplement un driver, un nouveau driver qui va s'afficher normalement à l'écran. Par exemple, la mienne, c'est une clé Netgear, tout simplement. Et ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de mise à jour. Et il y a, comme vous le voyez à l'écran, il y a une mini mise à jour. Donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement vérifier cela. Donc moi, personnellement, je l'ai installé déjà. Je l'ai déjà installé, c'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer hein, en vidéo, en rec. Mais voilà, vous l'installez, vous suivez bien les consignes et normalement tout se passera bien. Et il est possible qu'il y ait un correctif de bug ou un petit patch qui permette d'optimiser un petit peu plus sa connexion. Donc ensuite, nous allons parler du serveur DNS. Donc, qu'est-ce qu'un serveur DNS? Donc littéralement, un serveur DNS, c'est une annuaire. Donc quand vous allez par exemple taper Google, donc pendant la page de chargement, il y a une multitude de choses qui vont se faire. Donc normalement, je vais mettre un petit schéma au montage. Donc tout simplement, alors le serveur DNS est une annuaire. Donc votre PC veut accéder à Google. Donc le PC va demander au serveur DNS de lui envoyer l'adresse IP exacte de Google. Donc le serveur DNS va envoyer l'adresse IP de Google tout simplement à votre PC et votre PC va pouvoir tout simplement accéder au serveur Google sans trop de problèmes. Et après l'information de la page Google va vous être envoyée tout simplement sur votre PC. Donc voilà, c'est à peu près ça. Mais pour ça, pour bien choisir son serveur DNS, et voilà, c'est en fonction de la position que vous avez sur Terre tout simplement. Donc si vous vous laissez Windows le faire automatiquement, ça peut partir vite en couille, hein, je vous le dis. Donc tout simplement, vous allez devoir télécharger un logiciel qui est tout simplement nommé téléchargement, qui sera évidemment en description, qui s'appelle Namebench. Donc, vous allez le lancer, hop, Windows X, vous allez extraire. Voilà. Là, ça charge un petit peu. Donc là, nous avons alors le name server. Donc nous allons notre premier serveur, voilà. Et là, nous allons tout simplement mettre ça sur Fast. Donc si c'est pas fait, si c'est pas sur Fast, vous le mettez sur Fast. Ensuite, vous allez choisir justement le navigateur que vous voulez. Donc vous choisissez pas là, vous choisissez Google Chrome ou Mozilla Firefox. Donc Google Chrome, c'est quand même voilà, la base. Hein. Donc vous aurez une meilleure connexion tout simplement dans votre navigateur et même ça va se voir sur vos jeux, hein, sérieusement. L'information va beaucoup plus vite se naviguer, donc beaucoup mieux, un meilleur ping. Souvent, mon ping est plus stable après ça. Donc ensuite, vous allez faire, s'il veut bien, Start Benchmark. Donc là, ça s'est un peu baissé malheureusement. Vous allez faire Start Benchmark et là, ça peut prendre entre 20-25 minutes. Donc ça va tout simplement chercher les serveurs les plus proches et vous allez les indiquer. Et ça va mettre un petit tableau avec les pings. Voilà. Donc moi, justement, je vais le faire en direct, comme ça vous serez sûr. Donc je vais attendre 20-25 minutes et puis on se retrouve tout à l'heure. The next day, later. Donc voilà, voilà, le téléchargement c'est fini de tous les serveurs DNS. Hein. Donc nous avons directement tous les serveurs DNS disponibles et notamment le AVG MS. Donc ça c'est le ping tout simplement que vous aurez peut-être en jeu. Voilà. Donc moi il me dit que le recommandé de configuration Fastest Nearest. Donc moi il me dit Primary Server. Hop, 8884. Donc ça, le Google public DNS.
Donc voilà, il me dit de le mettre en premier. Ensuite, le second d'Harry serveur, il me dit celui-là, Orange Business Premier FR. Donc voilà, ça c'est les deux serveurs à mettre tout simplement dans votre panneau de configuration. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc vous allez aller dans panneau de configuration. Et puis vous allez faire centre de réseau et de partage. Hop, c'est hyper simple. Vous allez aller sur votre clé Wi-Fi ou votre carte Wi-Fi. Vous allez cliquer une fois dessus. Ensuite, vous allez aller dans propriétés. Et là, normalement, alors, s'il veut bien, voilà. Donc là, je veux obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Vous allez faire utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Donc moi, littéralement, j'ai 8884 normalement. Donc j'ai ça ici. Oh, s'il veut bien, ouais. Bon, je sais que c'était 8. Ensuite, 8, 4, 4, voilà. Ensuite, si je voulais l'autre serveur, c'était 184.0. Donc, je fais CTRLC, hop. Je vais dans le panneau de configuration, hop. Je le redresse un peu. Et là, je fais CTRLV. Et voilà, vous l'avez ici. Vous faites valider en quittant. Hein. Vous n'allez pas dans avancer. Il n'y a rien dans avancer d'intéressant pour vous. Vous le remettez, voilà. Et vous allez faire OK. Voilà. Et là, normalement, ça restera. Et puis ce sera cool. Donc vous faites OK, fermé. Et du côté de ce côté-là, nous avons fini. Donc nous avons fini avec nos petits serveurs DNS. Maintenant, nous allons configurer notre petit Wi-Fi qui sera dans les paramètres Windows 10 tout de suite. Nous allons aller dans les paramètres réseau Wi-Fi et Internet, pardon, et consommation des données. Voilà. Normalement, ce sera marqué sur jamais tout en dessous. Vous allez mettre sur toujours, car comme ça, les fonctionnalités de Windows seront désactivées en arrière-plan. Et votre activité en premier plan sera tout simplement mis en priorité question connexion. Voilà. Donc déjà, paramètres Windows 10, on est bien. Ensuite, nous allons aller dans mise à jour, update et sécurité. Nous allons aller dans options avancées, optimisation de la contribution. Désolé, hein, je fais beaucoup de choses. Options avancées. Et là, vous allez décocher tout ce qu'il y a là. Voilà, donc nous allons décocher ça, 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 ça. Normalement, ce sera déjà coché. Ensuite, nous irons dans notre petit panneau de configuration qui est juste ici, panneau de configuration. Nous allons cliquer dessus, aller dans gestionnaire des périphériques. Et nous allons aller dans carte réseau. Et vous aurez alors soit votre carte Wi-Fi ou soit votre clé Wi-Fi. Personnellement, c'est un mini USB adaptateur pour ma part. Donc je vais faire clic gauche et un clic droit. Et là, je vais faire propriété. Ensuite, je vais aller sur avancer. Et là, je vais aller. Là, il y a marqué Bandwidth, Enable, Adaptivity. Donc, nous allons configurer notre Wi-Fi. Donc, il se peut que ce ne soit pas pareil que à l'écran. Hein, donc, vérifiez bien de votre côté. Donc, ensuite, moi, personnellement, on devrait être à tous sur 20 à 40 MHz, personnellement. Ensuite, Enable Adaptivity, vous êtes sur Auto. HLD Diff for Adaptivity, vous êtes sur 7, la valeur 7. L2H for Adaptivity F5. QA Support, c'est important de l'avoir. Moi, je l'avais pas, j'avais mis sur Auto. Et c'est important, très important même de l'avoir. Donc, Support QoS, hop. Et ensuite, Wi-Fi Config. Donc, Wi-Fi Config, vous allez le mettre sur Performance. Car si vous le mettez sur Wi-Fi, tout simplement, votre Wi-Fi sera pas stable. Il va passer de 50 ping à 18 ping, on ne sait pas pourquoi. Donc, vous allez aller sur Performance. Ensuite, Wireless Mode. Vous allez aller... alors là, ça va dépendre beaucoup de votre carte Wi-Fi ou votre clé Wi-Fi. Pour ma part, c'est sur GN. GN, voilà, tout simplement. Donc 802 GN. Ensuite, renseignez-vous. Si vous avez du A, j'ai vu sur Internet, il y avait du IEE 802.11A quelque chose. Donc renseignez-vous sur Internet pour avoir la meilleure configuration. Ensuite, il restera d'aller faire un petit tour dans le CMD. Donc nous allons aller dans la barre taper pour rechercher. Nous allons taper CMD. Un clic droit exécuté en tant qu'administrateur. Et là, vous avez votre petit tableau de commande qui va s'ouvrir. Vous allez taper, alors tout simplement, la commande Netch Interface TCP Show Global. Vous allez faire CTRLC. Et pour le coller, vous allez faire CTRLV. Voilà, hop, vous tapez une fois. Et là, vous avez tout état de mise à échelle du côté réception, disable aide, réglage, tout ça, tout ça. Donc, se concentrer sur réglage auto fenêtre de réception qui sera sur normal. Nous ne voulons pas qu'il soit sur normal car sinon ça limite question Wi-Fi. Vous n'êtes pas prioritaire sur le Wi-Fi. Donc vous allez aller dans la description et vous allez taper. Alors moi pour ma part, je vais faire Netch Interface TCP 7 Global Auto Tuning égale Disabled. Voilà.
nous allons CTRL-C, voilà. Et vous allez tout simplement CTRL-V. Voilà, hop, Disabled. Et là, OK, voilà. Et là, normalement, il va tomber sur Disabled. Si on refait bien notre manipulation, CMD, voilà. Nous allons faire TCP global, CTRL-C, CTRL-V, hop. Et là, normalement, il y est, réglage auto, fenêtre de réception, Disabled. Voilà, donc vous êtes bien prioritaire sur le Wi-Fi. Donc après, ça peut se faire via l'application de la box, tout simplement. Mais bon, là, ça va vous rajouter une petite priorité et ça va être cool. Vous allez gagner quelques centaines de kilos secondes. Ensuite, nous allons rester dans le CMD et nous allons vider le cache DNS. Donc le cache DNS est un petit hit historique des adresses que vous avez demandées qui sont stockées soit en local, soit sur le serveur DNS en lui-même. Donc pour ma part, Windows 10 enregistre un petit historique. Donc un petit historique que souvent Internet ou Google Chrome ou Microsoft Edge utilisent pour aller plus vite. Mais des fois, il se peut que l'adresse change et que vous tombez sur une page, l'adresse est introuvable. Donc pour éviter ça, on va vider le cache DNS. Donc vous allez aller sur cache, voilà. Et là, vous allez CTRL-C, voilà, tout ça. C'est ce petit truc, ce petit bout. Vous allez aller dans CMD, CTRL-V, hop. Et là, configuration IP de Windows, cache de résolution DNS vidé, voilà. Et là, nous avons fini. Donc maintenant, la première partie, comment augmenter et optimiser son Wi-Fi sans rien acheter, est finie. Nous allons passer ensuite à la deuxième partie qui sera comment augmenter ou optimiser. Donc ce sera plus augmenter car vous aurez tout simplement de meilleurs composants. Donc dans cette partie, je vais vous présenter quatre composants. Donc alors, deux répéteurs Wi-Fi et deux clés Wi-Fi. Donc il y en a une. Alors, on va commencer par les répéteurs Wi-Fi. Donc les répéteurs Wi-Fi sont de simples relais Wi-Fi. Donc si vous avez une grande baraque et que votre ordinateur est vraiment loin de votre box, alors la connexion peut gravement s'améliorer, enfin positivement en tout cas. Pourquoi je dis gravement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera positif pour vous si vous avez une grande maison et que votre box sera loin. Franchement, soit vous prenez un répéteur Wi-Fi de 300 Mbps, donc ça c'est en fonction de votre connexion, ou soit vous prenez un répéteur Wi-Fi à 1200 Mbps. Donc le 1200 Mbps est un peu plus cher, hein, normal, hein, vu la bande passante qui passe. Mais voilà, regardez bien le type de connexion que vous avez et le nombre de mégabits que passe votre box. Et vous pourrez choisir le répéteur Wi-Fi si vous avez une grande maison. Ensuite, si vous avez une petite maison et que vous avez tout simplement un mauvais Wi-Fi sur votre PC, vous pouvez toujours acheter une clé Wi-Fi de 300 Mbps, hein, qui est largement correcte. Hein. Encore une fois, c'est pour une fibre moyenne. Hein. La fibre dépend des abonnements que vous avez. Donc ça, c'est une petite clé Wi-Fi de 300 Mbps à 13€ qui sera parfaite pour votre PC. Hein. Ou soit, si vous voulez vraiment du lourd, vous allez justement, bon là j'ai peut-être un peu abusé sur le prix, hein, vous pouvez essayer de choisir d'autres choix quand même de clé Wi-Fi. Donc sinon vous pouvez prendre du 1200 Mbps. Alors là, je vous le dis, ça claque, on peut le dire. Donc franchement, c'est un peu plus cher, c'est une centaine d'euros quand même. Donc après, c'est en fonction de votre box. En tout cas, si vous prenez une autre clé Wi-Fi à 1200 Mbps, faisait très attention car sur Cdiscount il y a beaucoup d'arnaques ou de contrefaçons, donc c'est peut-être pas des officiels et tout, et franchement on prenait des marques connues et des marques qui marchent bien où vous êtes sûr. Moi j'avais que ça à dire. En tout cas, cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, du coup à vous abonner comme d'hab, hein. Et puis moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur comment bien débuter sur Sony Vegas Pro, hein. Donc ce sera une belle vidéo pour les débutants.